Bonsoir tout le monde, merci d'être ou répondre à rendez-vous chaque après-midi à sauti lundi pour arriver vendredi qui c'est rendez-vous info. Avant de rentrer dans le développement actualité, nous invitons à suivre grand titre actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, plus passé une dizaine de monde perdu la vie dans l'attaque gang Savien contre population civile dans Ponsonde. Toujours dans le pays d'Haïti, en pile réaction après un rapport ULCC mandé pour mettre action publique en mouvement contre trois membres KPT qui impliqués dans un scandale corruption BNC. Actualité électorale à l'Est aux États-Unis, candidat à la présidence prend une pause pour pencher sous dégâts cyclone Hélène qui était derrière, surtout dans Caroline du Nord. Et puis actualité à la région Moyen-Orient, tension continue à monter après attaque Iran sous Israël et à opération terrestre État hébreu dans Liban contre Hezbollah. Bonsoir une autre fois encore, bienvenue dans le développement actualité. Au moins 10 moun mouri dans attaque gang Savien contre population civile là dans Ponsonde dans le département Latibonite. N'a pas rejoindre correspondant nous Junior Racine. Oui, pour le moment. Et on connaît est-ce que c'est gaz jusqu'à présent et nous présent. Plusieurs dizaines moun mouri sans compter plusieurs autres blessés qui prend soin sous cabane l'hôpital. Parmi eux, plusieurs timons et jeunes, en pile caille rivé boulé, ce bilan provisoire attaque bandit base grand griffe dans Savien, rivé fait sous population 1, dans zone Ponsonde, et Balatibonite là, bien bonheur matin, jeudi 3 octobre 2024 là. Après massacre ça, plusieurs citoyens qui sortis dans 5e section, zone Ponsonde, t'es réagi comme ça, eux-mêmes qui sauvaient de justesse. Nous avons l'État, qui a dit rien dans le bazar. Les CEMAC, tout chef qui est là pour CEMAC, qui est faire mon habit, battre mon, tirer mon dado, et ça, c'est mon propre, non, c'est ma. Ah, et encore. Eh, n'a-t-il pas été bon sondé, y'a tué mon, y'a victime mon, faut pas qu'être victime dans mon sondé. Mais, à nos jours, même mon, toute bonne place. Nous, pas qu'on autorité de même, qui a dit rien en bas, ça, y'a. Tout mon a levé courir, mon cap, si mon a mouru, gars, mon a pris un balle, toute bagaille net, nous prend, j'ai n'a pas tout mon, y'a pas j'ai abgardé nous tout. Mais, nous, bah, bout lundi, qu'a venu là, mon cher, n'a bloqué ses mac, n'a bloqué ses mac. Et puis, deux autres, c'est mon affaire dans ses mac, net. Pour nous, si nous avons réponse à la bagaille. Dans bonne heure, comme ça, matin, jeudi 3 octobre, là, plusieurs côtés dans la cité de Missal Sagéa, en pile le monde a couru, information avait fait quoi que bandit Savien, base Grand Griffio, a rentré dans la cité de Missal Sagéa pour venir faire attaque sur le commissariat Saint-Marc. Là. Métropole, base Atibonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique. Non, excusez-nous pour qualité quelques images à quelques vidéos qui étaient faites dans conditions très difficiles. D'après, c'est toujours dans le pays d'Haïti, dans un document 12 pages, Unité lutte contre corruption ULCC publié rapport enquête l'été mené sous accusation 100 millions gouttes, trois conseillers présidentiels transition qui t'a mandé ancien président administration BNCA, Raoul Pascal Pierre-Louis, pour t'être capable de rester dans le poste. Précision, depuis Port-au-Prince. Dans la poste là, enquêteur ULCC a dit qu'il y a un tas qui te joint entre deux parties pour l'agent et joindre chaque membre conseiller sous quatre crédits BNCO. Une façon pour Raoul Pierre-Louis être capable de rester dans la poste comme président conseil administration banque là, puisque le mandat était presque fini dans le moment de négociation. Yo démarche article 5.5, 5.6 et article 11, loi 12 mars 2014 la pini. La mise en mouvement de l'action publique contre la nommée Smith-Augustin, Emmanuel Vertilier, et lui Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive. Dans le même document, ça, ULCC dit au joint, c'est M. Pierre lui-même qui a baillé toute instruction pour 4 crédits conseillers qui ont été faits dans la banque. Sous chaque 4 crédits, 3 conseillers présidentiels, enquêteur ULCC a joint 1,800,000 goudes, qui égale à $20,000 l'argent américain. Gen Toulonik Leandre qui se concile Haïti dans la ville Santiago qui est impliqué dans le dossier, ça, lui-même te gagne 1,125,000 goudes sous 4 palais. Qui équivaut à $12,500 vet. Pourtant, dans la transaction qui fait, ULCC dit li jwenn Smith Augustin acheté pour un total 872,220,40 sans remettre BNC en goud. Ça qui paraît différent dans le cas par conseiller Emmanuel Vétilaire et Louis Gérald Gilles qui a commencé à payer banque après plusieurs achats sous 4 crédits par yoa. Ça qui fait, M. Pascal Raoul Pierre-Louis, il y a accusation qui pesait lourd sous dol tout. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5,
14-21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonick Léon pour instigateur de versement de pot de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Plus loin, ULCC mandé tout pour extrader dans le pays à M. Pierre-Louis pour le capable de répondre à la question de la justice. Et sous plan administratif, unité lutte contre corruption mandé élaboration, adoption et puis publication yon code éthique sous agent administration yo. Et puis pour piro dans l'état et de vulgariser guide pratique provenant les risques d'atteinte à la probité, ULCC écrit pour agent public yo. VOA Créole, Port-au-Prince. Merci. Sous même dossier, ça, yon homme de loi, Maître Jonas Revanche, ancien commissaire gouvernement juridiction Port-au-Prince, mais trois conseillers qui indexés dans le rapport ULCCA, démissionnés, mettez à la disposition de la justice. Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Qui rôle paquet tribunal civil, première instance Port-au-Prince, pour le jouer dans le dossier qui a rapport à recommandation unité lutte contre corruption ULCC, qui m'a dit mettre action publique en mouvement contre trois membres dans le conseil présidentiel transition, hein? Nous voulons parler de Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vettiler pour présumer implication dans un scandale corruption BNCA, yon ancien commissaire gouvernement juridiction Port-au-Prince, maître Jonas Revanche, a répondu. Eh ben, le pral ouais pour compte si besoin, hein? Et puis après ça, le pral garder, est-ce que la mettre action publique en mouvement, ça veut dire quoi? Mettez action publique en mouvement. Mettez action publique en mouvement, l'est capable de demander le cabinet d'instruction, saisir le cabinet d'instruction, par son réquisitoire déformé, pour que, yo, ouvrir une enquête autour de ces indices. Est-ce qu'il y a des indices fondés, palpables, devant concourir, devant permettre le renvoi des indexés par devant la juridiction des jugements? À ce moment-là, il est capable de passer de prévenir, inculpé à accuser devant la juridiction des jugements. Maître Jonas Revanche souhaitait tout, trois conseillers président Sayo, remettre des missions, ça perd du temps, mettez yo à la disposition la justice. Bon côté parle, pasteur Mercius Antoine, qui se porte-parole parti politique nouvelle orientation unifiée pour libérer Haïti, nous là, structure politique Louis-Gérald Gilles, dit y a continué supporter l'idée qui c'est Louis-Gérald Gilles. Complot qui a joué à nous pas prendre la donne. Nous même dans nous là, n'a dit ça bien avec tout ça qui a fait yo. Peuple haïtien, nous est ça. Nous est en bas nous messieurs. Nous est joueur politique qui a joué à. Nous est façon que nous a fait là. Nous est en bas nous messieurs. Et n'a dit avec Louis-Gérald Gilles, docteur KBFM, travail ou ni plan quoi la donne. Travail oua, l'Ouest la quoi la donne. Travail oua, pays a, li quoi la donne. C'est un dossier qui était tout l'ouvri en Haïti. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, merci pour ou même tout qui choisit brancher. Non, moment ça, ou sous VOA Créole, pas déplacé. Ou toujours sous VOA Créole, actualité à dans région Moyen-Orient, tension yo a continué monter dans région après attaque Iran sous Israël et à coopération terrestre état hébreu dans Liban contre Hezbollah. Yon mise à jour ak yon réunion ak Valérie Saint-Louis. Ligue État Arabe te condamné jeudi 3 octobre là. Ça l'était décrit comme un scénario brutal peuple Israël l'a fait dans Liban après escalade hostilité yo entre force israélienne ak Hezbollah. Assistant secrétaire général Ligue État Arabe, Osam Zaki, t'es averti que situation ça capable mener au plus près une potentielle la guerre dans la région. Yo la guerre qui t'a capété à cause agression intensifiée pays Israël sous pays Liban. Ligue arabe là, ak eta mamb li yo chaque bon côté pa yo te averti pendant plusieurs mois contre risque qui gagnait dans la guerre régionale qui pral gen gros conséquences. Et ici la jodi a nous à l'approche éruption la guerre ça à cause arrogance et insouciant leader occupation israélien qui a insisté pour mettre du feu dans la région et puis pas suspendre commettre crime même gens ont commettre et ont toujours à commettre crime dans Gaza mais ils veulent reproduire même scénario brutal là dans Liban
avec une impunité complète qui supportait par incapacité monde là, puis décourager comportement criminel yo avec violation règles légales, humanitaires et morales yo. Déclaration assistant secrétaire général Ligue État Arabio Hossein Zaki faite dans cadre d'une réunion en urgence pour discuter sous attaque Israël dans pays Liban avec impact humanitaire que li la cause. L'été averti que attaque ça yo sous pays Liban avec peuple libanais pas pral porter aucune sécurité pour aucun bord, mais li pral prolonger conflit et puis augmenter raissement en peuple yo. Représentant permanent Liban dans Ligue Arabe, Ali Hassan Al-Habi, te dit dans réunion ça que plus passé 2000 moun te mouri et plus passé 10000 lot te blessé. Ali Hassan Al-Habi te ajouté que dernier série attaque yo te la cause déplacement plus passé 1 200 000 moun. L'armée israélienne te poursuivi une invasion sous terre dans pays Liban contre Hezbollah pendant qu'il a continué frapper dans Gaza. Ça qui te touye plusieurs douzaines moun qui gen la donne ti moun. L'armée Israël a te dit que 8 soldats te mouri dans conflit ça dans 6 pays Liban. L'armée Israël là avec Hezbollah te fait échange coup de zam à travers frontière Liban presque chaque jour depuis après attaque militaire Hamas yo te fait dans date 7 octobre 2023 qui te touye 1200 Israéliens et puis yo te prend 250 l'autre en otage. Comme réponse, peuple Israël là te déclaré la guerre à groupe militant Hamas yo qui dans zone Gaza. Yo te touye plus passé 41 000 Palestiniens dans territoire et plus passé moitié moun qui mouri yo c'est femmes ak ti moun. D'après officiel santé local, pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Actualité électorale ici aux États-Unis, candidat à la présidentielle prend une pause pour yo pencher sous dégâts cyclone Helene qui était derrière, surtout dans Caroline du Nord. Et Jean-Aubert Philippe, pour un pile spécialiste, politicien, il dit qu'il n'y a pas fait politique, mais son l'autre façon tout pour faire politique, les yo aller l'autre bois, Jean-Aubert. Effectivement, là que j'en dis, c'est moment côté politicien, en fait, candidat, yo, même laisse ça faire présence yo, dans zone que cyclone Helene affecté à présence, vous voulez dire, on bagaille tout, parce que si on parle tout, là, il y a l'autre conséquence tout, mais on dit que, on nous mettait tout bail de côté, et on nous gardait Amérique, et États-Unis d'abord, pas gagné ni démocrate, ni républicain. Mais on a dit que effort recouvrement, yo, Jacqueline, yo, dit vraiment là, une semaine après passer à cyclone, côté autorité, yo continue à découvrir cadavre. In a moment like this, we put politics aside. Candidat qui a participé à l'élection présidentielle 5 novembre nan, prend une pause dans la campagne pour visiter les zones cyclone Helene affectées. Ouagran, la guerre puisse passer 1 million de monde sans électricité et puisse passer 200 monde mourir. Président Joe Biden visite mercredi 2 octobre la Caroline du Sud à Caroline du Nord pour évaluer des gars pendant les promettre déploiement 1000 soldats garde nationale là pour aider dans l'effort recouvrement. In a moment like this, we put politics aside. Président a déclaré, dans un moment comme ça, nous devons mettre politique à côté pour qu'on y a. Pas gagné ni démocrate ni républicain. Nous tous, c'est américain. Travail nous, c'est aider quand c'est monde nous capables d'aider rapidement possible. So I'm here to thank you. I know these are long days for you. Quand c'est parti démocrate, là, Kamala Harris a visité une centre d'opération urgence dans Augusta, dans l'État de Georgie, pour dire, c'est courageux, merci pour le travail. Moi, ici, là, pour dire nous, merci. Quand il y a parti républicain Donald Trump, même j'avais écrit Val démocrate Lia, t'es visité à Georgie lundi passé, côté l'immense milliardaire Elon Musk pour le permettre résident dans zone affectée au gain accès Internet. As you know, our country is in the final weeks of a hard-fought national election. Ancien président déclaré, tant qu'on nous connaît, nous vivons dans la dernière phase élection difficile année ça. Mais, dans un moment comme ça, les crises frappent, les compatriotes nous ont la nécessité, pas gain rien qui est plus important que ça. Nous pas parler de politique jeudi, nous devons mettre tête nous ensemble pour aider nous. Stormin itself just shook our community. Trivial guerre, many people without electricity. Les concernés, déclaré, tempête la frappe communauté noire. En pile dans nous, pas gain électricité. Après passage cyclone, non, en pile dans nous, pas gain manger. Et pas même gain accès à quelques produits première nécessité. Matt Van Sol, un résident dans Caroline du Nord, déclaré, définitivement, nous pas de parer pour cyclone, non. Moi, pas quoi, gain monde qui te comprenne force cyclone, non. Personne pas de parer. Président Biden déclaré, gouvernement prend engagement pour aider résidents yo recamper sous deux pieds yo. Dégâts ouagan Helene qui te yo capable coûter plusieurs milliards de dollars et période réparation yo capable prend en pile temps.
Alors Jacques, j'entends de la présence candidat déjà souterrain, c'est déjà en forme de campagne quand même. Mais tout le monde effort qu'a fait tout, surtout autorité locale, pour éviter ou bien pour faciliter ou bien encore pour réparer tout côté qui t'a capable. Au moins pour que passage si comme ça, il pas ta grand impact sur participation électeur, surtout dans l'État qui affecté. Merci Jean-Robert. Jean-Robert Philippe pour dernières nouvelles sur l'actualité électorale là. Ici aux États-Unis, pas déplacé. Yo l'autre pause, plus nouvelles dans un petit moment. N'a retourné dans nouvelles concernant pays d'Haïti. Eh bien, il y a un gouvernement dominicain qui a annoncé une série de déportations massives haïtiens qui vivent sur le territoire. Marie-Louis Pierre, les détails. De la Commission nationale de sécurité. Le mercredi, la République dominicaine a annoncé un plan immédiat pour déporter jusqu'à 10 000 immigrants par semaine pendant la augmentée renforcement sur frontière à pays d'Haïti, malgré demande des Nations Unies pour ne pas mettre les gens dehors d'un voisinage qui frappait en bas conflit. Annonce Nations Unies Caraïbes là, pas de préciser que plan a paralysé haïtiens, mais citoyens qui sortent d'un voisinage lié, qui représentent vaste majorité déportés. Si vous avez appliqué plan, ça a marqué une augmentation importante dans la déportation après que vous avez plus passé 200 000 Haïtiens retournés dans le pays l'année passée, d'après données des Nations Unies. Dans la déclaration, le bureau président Longe Douet sous progrès ralenti avec résultat limité du mission sécurité Nations Unies dévoyée pour aider la police haïtienne à reprendre contrôle capital là, la présence gang armée qui a grandi. Chaque jour plus. Se accordó la ejecución inmediata. Le gouvernement dominicain a décidé de rapatrier tout de suite jusqu'à 10 000 immigrants par semaine dans le pays côté au monde. Hasta 10 000 immigrants par semaine. Plan demandé pour plus inspecteurs frontières, plus surveillance et bâti camp rapatriement temporaire, prêt à prendre en considération sécurité à droit monde. D'après sa Figueroa, a été ajouté. Le porte-parole Premier ministre Haïti a pas répondu immédiatement une demande pour faire commentaire. C'est pour ça que nous annonçons les Nations Unies. C'est soit eux-mêmes, avec le monde, tout pays qui est engagé en façon sérieuse, ils allaient pour compte. Nous-mêmes, nous agissons en façon sérieuse dans la Dominicanie. L'action a déjà commencé jeudi à même et nous avons continué. Les Nations Unies m'ont des pays d'accord, République Dominicaine et États-Unis, de suspendre la déportation en Haïti. Côté gros grand goûté monté 17 hauteurs et qu'on est là qui affecte presque moitié population, hein, qui est à peu près 11 millions de monde. Quantité haïtien qui est déplacé en dedans, yo, presque doublé dans 6 mois et dépassé 700 000 pendant gang yo a grandi dans zone alentour capitale. Hein. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Réaction dans le pays d'Haïti, ministère Affaires étrangères à culte dénoncé décision au gouvernement dominicain pour l'Ikishita sous discrimination. L'autre nouvelle, c'est pas yon cas qui arrive souvent. Autorité américaine yon déporté yon immigrant et puis autorisé le retourner parce que déportation était illégale. Grâce à la bataille cabinet avocali, Ermite obtenu yon jeune femme haïtienne, eh bien, il réussit tourner aux États-Unis environ 2 mois après déportation. On a loué ça. C'est avocat Lana Joseph avec toute équipe qui devine chercher Ermite obtenu dans l'aéroport international Miami. C'est parti, je vois parce que l'aime vini là, yo checké tout à fait, me senti ces belles bagages, me dit tout merci pour mon Dieu. Pour nous comprendre l'histoire ça, n'a retourné en 2017 côté Ermite t'est tenté pour première fois rentrer illégalement aux États-Unis par bateau à partir de Bahamas. Garde côte américaine Kimbel et puis voyer le tourner, mais ça pas t'empêcher li réessayer une deuxième fois en 2021 encore par bateau. Autorité yo retourné déporter. 25 novembre 2023, après les fins confirmées dans le programme Biden, Ermite fait ticket, prend avion pour venir aux États-Unis. Malgré l'autorisation voyage, il a l'autre fois encore bloqué, mais elle est en centre de détention. Côté le passé, environ 8 mois. Ce n'est pas bon du tout parce que je n'ai pas d'autorisation pour venir dans le pays. Et puis, je n'ai pas accepté, mais je suis retourné. Je suis d'accord pour retourner, même joie ou bien pour prendre un avocat. C'est à partir de là, famille te mette sous dossier à mettre Lana Joseph que communauté a connu sous nos avocat peuple. En attendant, avocat ça travaille sous un cas asile pour lui. Administration Biden n'a te vin annoncé redésignation Haïti pour TPS. Malgré Ermite éligible, autorité a déporté en Haïti sans avocat. Pas connaît, nous n'avons mois juillet 2024.
yo te gen yon avion ki gen pou aller en Haïti k'ap depote moun, yo tout point li yo metel nan pile tout haïtien yo y'ap depote, yo depote li. Deportation te fait direct au Cap et Hermé dit c'était yon mauvaise expérience. Cabinet avocat ki te estime c'est yon grave violation droit moun, pour ça divers démarches légales te lancé pour te permettre client yo a tourné aux États-Unis. Après yon paquet révision, autorité yo d'accord Hermit te mal déporté et accepté pour yo autoriser le retourner. Pour mettre Eddy Laguerre qui lui-même tout est travail sous dossier a, c'est une victoire pour la justice mais pour toute communauté haïtienne en général. C'est extraordinaire et c'est vraiment un bagaille qui montre nous comment que nous-mêmes dans la communauté a, lorsque nous mettons force nous pour notre travail, nous capable bailler des résultats sans précédent. Hermit finalement ca rentrer à joindre proche li dans Orlando et puis commencer une nouvelle page dans la ville aux États-Unis. Et un pays qui était toujours rêvé de vivre depuis quelque temps. Depuis Miami, l'État Floride. Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci Luxon, ou sous VOA Creole, ou à suivre Rendez-vous Info, un programme dans la langue créole haïtienne. Et oui, jeudi à ce jeudi, nous avons rendez-vous, tant que chaque jeudi, à cause des femmes dans Rendez-vous. Étendez bien, invitez-nous, jeudi à ce Cassandra Jean-François. Gentil Auguste Junior. Cassandra Jean-François fête yon 18 mai nan Gonaïve. L'élevé nan yon famille ki genyen 8 petit. Malgré an pil péripéti, anticyclone nan Gonaïve ak tremblement de terre nan Port-au-Prince, sa pat empêche l fini ak l'école secondaire et prend direction faculté médecine l'état nan Port-au-Prince. Mais l'homme pral fini donné ou pral changer et pas gen l'autre choix que garder ki sa université l'état ka bay et heureusement nous gourmets, nous travaillons, nous étudions, nous malades, mais nous sommes bons dans la faculté de médecine de l'État. L'homme fini, moi, fait algologie à l'université Paris Diderot. Et puis, après, moi, rapidement, et rentré, sur le marché de travail, là. Médecin. La travaille pour une organisation internationale, Médecins du Monde. Docteur Cassandra, cap dirigé équipe ça, compte souterrain. Pour aller garder comment moun nan zone sa yo ap viv, yon façon pour capoter pi bon résultat. Moi apprendre en pile, nan descend juste pour me garder des moun qui peut-être entouré des moun que ou même qui capable fò santi ou mal à l'aise, mais ouais gens que y a fonctionné, ou ap garder que hey, pa gen de l'eau potable là. Hey, mon grand goût, ti moun nan grand goût, li pa ka manje, ti moun nan li malnutri de pou paraît ou wè malnutrition en flagrant sou li. Ou pa comprendre importance pou que ou même en tant que responsable, moi même en tant que responsable, pou moi sérieux sou travail ki a fait sou terrain, si m pa wè ti moun sa age. Très jeune, Cassandra te comprendre ni gen yon obligation pour itil communauté la vive là. Yon nan travail fondamental que groupe Combit a fait qu'on y a. L'ap travail sou yon guide justement de développement communautaire côté focus lancé à chercher nan tout en dehors yo comprendre, apprendre pour nous capable pi bien documenter comment Combit té toujours qu'on fait, comment li a fait et qui jan nous capable faire pour nous pi bien faire Combit. Et pour les capables justement conduire vers développement communautaire ça que nous souhaitons et que nous déjà investi là-dedans. D'après Dr Cassandra, c'est choix pâle pour le vivre Haïti. Parce que vivre Haïti dans le moment, pas un bagaille qui facile. Mais quitter Haïti tout, pas vle dire ou suspendre haïtien pour ça. De pour déplacer pour aller prendre bon gens l'instruction pour capoter puis bon contribution dans développement Haïti. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil, cause femme passée chaque jeudi à l'heure ça sous VOA Creole. Mes amis, attendez ça. Yon guitare électrique célèbre guitariste George Harrison te kon joué dans commencement célèbre groupe musical que nous connaît que les Beatles. Yo pral exposé dans sa relé vente aux enchères là, donc votre côté que moun qui offre plus là, c'est les cap venir. Pour plus passer $800,000. Harrison t'a acheté guitare ça dans un magasin instrument dans Liverpool, dans pays Angleterre. Côté guitariste là t'es qu'on jouait guitare ça en guitare Futura dans commencement année 1960 et il t'a utilisé pendant un viré
en Allemagne et c'est là tout que yo t'ai enregistré premier plaque li plaque Polydor là. Harrison dit guitare ça, c'est une guitare qui est difficile mais li remet Jean sonner. Vente aux enchères ça, eh ben li gain pour le dérouler ici aux États-Unis sorti 20 pour arriver 22 novembre 2024. Y aurait les côtés au pour faire ça de y aurait les Julian's Auctions. Donc ça c'est sous table gain guitare ça que George Harrison t'est qu'on utiliser et eh ben ou capable aller sorti 20 pour arriver 22 ici aux États-Unis et eh ben pour capable gain occasion pour capable acheter guitare ça. Mais guitare ça a dit $800,000 et eh ben capable coûter plus toujours. Mes amis, nous pratiquement arrivé dans fin édition rendez-vous info aujourd'hui. Merci pour attention. Merci pour fidélité. Nous contents de ce que une autre fois encore où t'es branché ou t'es fait voyage là. Donc prochain rendez-vous nous c'est pour demain pour nous capable ouais actualité à c'est pour le dernier sorti nous pour semaine là et nous dit déjà merci de ce que où t'es avec nous pendant toute semaine. Nous dit tout le monde Nelson merci, nous dit Jean-Marc Hervé Abel merci et puis toute notre équipe là et puis nous dit Fred bon voyage. Moi c'est Jacques Mélisère. Bonsoir. Et m'baba de menti désir, GPM Gary Koni, M'sieur Kope en mettre pays, selon pile le monde. M'sieur Kope en mettre pays, M'sieur dit que Madame Dominique Dupuy, li pa qui pourra répondre question conseiller, parce que Jean que yo voit invitation, que on vise de femme la donne. Elle dit, monsieur yo, retetan, comme le 4 ou bien le 6 octobre là, eh bien, abge yon rencontre entre un dit conseil des ministres, eh bien, laisse ça, y a parlé avec Madame Dominique Dupuy. Mais cette histoire que Madame Dupuy déplacé, pour c'est lui-même, Kalambiro et conseiller yo, gare qu'on y dit pas comme ça. Eh non, gars, qu'on dit pas comme ça, elle met pays frère, elle met pays, elle met gouvernement, elle met conseil, mais madame Dominique Dupuy c'est sous ordre lié, il pas déplacé aller parler avec aucun conseiller pas avant que c'est pas un conseil des ministres qui vous faites. Et nous bagar ça, il risque écraser chambardé pouvoir exécutif ça qu'il a. Elle dit nous risque tomber notre troisième transition. Nous risquons de tomber dans la troisième transition des Ibanez. Et pendant que nous risquons de tomber dans la troisième transition, ça, gagner exactement. Président dominicain, Luis Abinadel, Désir Venesse et mon égard pile haïtien, qui ont même cap vivre Saint-Domingue et cap garder mes sacs nouvelles. Luis Abinadel, monsieur dit, chaque semaine, qui va venir là, libéral déporter 10 000 haïtiens. Qui illégal la Kaili. Luis, moi je prends ça pour nous. Luis Abinadel dit, à partir de semaine qui a venu là, il va commencer chaque semaine déporter 10 000 Haïtiens. Et ça qui illégal la Kaili. Qui donc je dis là, l'État haïtien prépare nous, parce que Luis Abinadel va le voir Haïtien. Ben décision qu'on va jouer, mon frère. L'incitation, question convocation, Madame Dominique Dupuy, est-ce qu'elle est correcte? Moi, m'a dit oui, li correct. Parce que, faut qu'il y ait clarification qui vini sous dossier diplomatique ça, qui te gagne cacophonie là-dedans. Mais, kounyer, on pose tête une question. Position, premier ministre, docteur Gary Koni, ou vice de forme, ou mandé ministre, affaires étrangères, pour le pas mettre des pieds, est-ce qu'elle pas correct? M'a dit oui, li correct. Si c'est conseiller présidentiel, yo cap convoqué, conseiller présidentiel, yo a pris engagement pour asseler, mettre signature en bas document, qui a voué pour invitation. L'autre bagage de la situation. Dominique Dupuy vini dans la diplomatie haïtienne. Il pratique pas prend position. Il m'a dit enquête. Il m'a dit pour LCC mener enquête. Sous yon ensemble consila. Sous ensemble diplomate. Ça pratiquement. Il y a des nègres. Il y a des camps. Quel dérangé. Parce que les diplomates là volent. C'est pas peut-être les volants. Il va voler peut-être tout simplement. Nous besoin qu'on ait ça. Parce que pays d'Haïti, il pratiquement gain problème avec monde qui intègre. Blaise Peterson. Nous, ouais, que mairie Port-au-Prince commençait avec un ensemble de mouvements, nettoyage, un ensemble de rues en bas de la ville, là. Blaise Peterson, qui portait l'espoir. Puis, on a posé cette question. Est-ce que magistrat Port-au-Prince, là, il prend dans même l'ordre, la police prend, dans mais Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui mentait pour tout le monde, Badel Matoumé. Et, ouais, que la police, tout font faux filet, elle reprend contrôle commissariat qui est dans Kafou aéroport qui a été abandonné depuis un bon bout de temps. Ça a passé en bas de la ville là, les abgadi magistrats Port-au-Prince qui a frappé.
pendant pas gen gros opération qui a mené nèg yo toujours gen contrôle ATA et nous ouais gen blender qui accompagne yo qui a retiré carcasse machine plusieurs dizaines machines que nèg yo te boulé nous ouais qui a ralé yo les personnes ça permet que n'a poser tête nous gros question chef gang dans département la Tibonite Dixon Elan il parle tout les personnes il prend position pour dire que moun yo k'ap traverser kafoua toutefois que ou d'accord payer mais net pour sonder campé en face il parle pour la fond massacre dans consonder dans niveau marché dans espace là si autorité pas prend responsabilité c'est eux même qui prend gain responsabilité parce que nèg ça ou pas jamais annonce bagarre blanc personne pour yo pas faire dans cas conseiller ILCC tout le monde t'a prétend rapport enquête ILCC comme ILCC pas gain compétence pour dire arrêter pour dire marrer mais ILCC transférer dossier pas devant juge pour dire juge d'instruction mener enquête sur ça et mettez action publique en mouvement contre trois conseillers ça. Mettez action publique en mouvement, c'est dire mettez mandat des trois conseillers ça pour marrer yo, mettez des quatre mirailles. Et les personnes. Alors, très bien. Vous sentez travail à pas fait de poids et de mesure parce que ouais, même Raoul Pascal Pierre-Louis, ancien président et conseil d'administration BNCA, il pratiquement mandé avec autorité États-Unis pour extrader monsieur pour protéger monsieur là. Interpol pour monsieur. Tourner en Haïti. Pour le permettre de venir répondre à une question sur et ça qu'elle fait, surtout, et d'ailleurs, utiliser ça comme influence, hein, pour ben, pour devenir, pour corrompre de monde en dedans pouvoir. Et en plus, il y a posé cette question. On est qui sorti dans structure, qui présente tête li comme structure de gauche, ta compétite de Saline, qui j'en fait un représentant, fait plonger dans la situation ça. En plus, on a regardé, c'est Arabus. Ça, monsieur, non, on va te ça, monsieur. Moïse, pas de mon sérieux, non, frère, monsieur, non, plus le monde. Bon, mon qui connaît Moïse Jean-Charles, mais ça m'a dit bien, en pile témoignage fait là, mon qui connaît Moïse Jean-Charles, il a toujours dit Moïse Jean-Charles, pas de jeune sérieux. Monsieur, c'est un couteau de bolier, devant la parler bien pour derrière deux, la font l'autre bagage. Il dit Moïse, ça va étonner moun, parce que l'air qui est entendu, Emmanuel Vertiller, qui s'est représenté à Petite Dessaline, lui-même, non, cité dans le bagage ça. Parce que, gardez histoire, et Ministre qu'il dit dans un guillant. Gardez histoire, et soyez Henri, Moïse by ministre, Moïse par Jamel Albert qui était by ministre, et même sous Jovenel Moïse, n'est-ce pas fait battre contre Jovenel Moïse? Moïse est dans le pouvoir. Moun qui connaît Moïse très bien, il y a besoin que Moïse par Jamel sérieux, et Moïse par Jamel un leader de gauche, il t'a vendu semblant un leader de gauche, mais il pas Jamel de gauche, mes amis. Kounia, on essaie donc de regarder. Et profil Mounio, qui pratiquement plongé dans une situation comme ça. Emmanuel Vertiller, son juriste. Yeah. De son état. Et gardez, lui, Gérald Gilles, yon médecin. Ancien sénateur, tout. Ancien sénateur, yon médecin. On est qui parcourit, on est qui perdit un pile temps pour l'apprendre. On est qui passe l'école. On est qui, nous avons dit son intellectuel chevronné. Exact. Qui en fait à tomber dans la bagaille comme ça. Et ça, quand même, surtout, son question de Yavar, son question de chercher faire l'argent, n'importe qui, Jean. Et si nous regardons Smith Augustin, son diplomate. Je suis diplomate et ambassadeur Haïti dans ce domaine. Qui j'en fait tomber dans un bagage comme ça? À partir de qui ça a tombé dans un bagage comme ça? Comme, en plus, il faut attendre ces tractations, c'est pour qu'il y ait discrédité ou qu'il y ait retiré dans le conseil là. Mais bien, la situation qu'on y a, nous devons garder configuration conseil là. Avec maintenant, trois mouns à est-ce que le conseil là a toujours inspiré confiance? Parce que l'autre, six membres n'ont pas de jambes, en position ferme sous question ça, depuis le Raoul Pascal Pierre-Louis, et fin de faire des dénonciations. Il était tout après tant de délibération. ILCC. Après ILCC, transférer le dossier par devant et la justice. Qui ça? Président conseil, là. Qui position qu'il prend? La continuer d'étendre la justice? Parce que si c'est instruit qui a instruit le dossier, là, bien, over 90 jours. 3 mois. Qu'on y en a pris 3 mois, là, quitter le pays a traîné. Et question, président, ce tournant-là, est-ce qu'elle a toujours qu'un pour 7 octobre qu'a venu là, c'est à Smith, Augustin, qui a pris siège, président, conseil, présidentiel transition. Vis-à-vis avec toute cacophonie, bataille qui gagne entre diplomatie avec et KPTA, bataille qui gagne entre chef gouvernement avec la présidence. Est-ce que ça, il y a besoin en faveur pays d'Haïti? Pendant nous, nous avons un espace, nous avons des dates fatidiques, nous avons des dates qui importantes, qui permettent que nous organiser et prendre le pays et conduire vers un espace qui est très sérieux, la situation. Situation pas belle. La police montre que continue à frapper. Mais résultat, yo, pas escorté tant que vous avez tenir, soit gardé dans le vestiaire, ou après opération pénétration, vous avez fait dans l'espace, même gens dans quoi de Bossal, en bas la ville, vous continuez à faire chemin, mais de fait, problème qui gagne, bon côté chef gouvernement, bon côté conseil présidentiel transition, bon côté chef diplomatie, il pratiquement côté en pile cacophonie.
et malais qui pendait sur tête haïtien qui vivent tout partout à travers le monde là, ça qui vivent les États-Unis, ça qui vivent en République Dominicaine. Donc action claire, les citoyens. Après le fin élu, s'il est élu dans l'élection qu'elle fait là, on a moins de voix qui venir. Ensemble monde qui rentrait dans CBP One, ensemble monde qui rentrait dans parole humanitaire programme Biden. Il pratiquement pas connaît des situations de bouleverse. Et déjà depuis la campagne, ouais qui position. Et Luis Abinadel, elle dit la fond bagaille, nous qu'elle arrange les fait parce qu'elle dit les pral voyer plus passer 10 000 haïtiens tourner la caillou presque Japon. Parce que lui imaginez quantité haïtien qu'il ouais qui rentrer qu'a vivre l'autre droit illégal. Parce que haïtien ça qui ça fait aller, il a chercher la vie, soit il a chercher sécurité ou bien il a chercher un travail qui permettre qu'il continue de te vivre les situations. Désir Venès et Zamete en nous yo, moi Désir Venès pas oublier ça. Dossier ça, faut qu'on connaisse comment l'a fini. Dossier ULC, c'est ça. Dossier 3 conseils, ça, yo. Bagay conseil, ça. Gouvernement Koni, bataille, le KPT, gouvernement Koni, non. Faut qu'on connaisse comment ça va le fini. Et comment l'a fini. Et dans tout ça, yo, qui côté peuple haïtien lui-même lié. M'le que nous allons chercher, nous chita, pour nous capables d'attendre. Rapport ULC, c'est un, il y a 12 pages. Li en pile. Li vraiment en pile. Même baba nous menti, m'a kali tout deux pages avant nous. Et m'bral vini avec un extrait sonore que directeur général de CCA, M. Hans-Ludwig Joseph lui-même, que li baye, le jeune quitté mercredi 2 octobre. Lan. Ok? M'bral temps de monsieur. Mais en grosso modo, il y a un aspect qui est important dans le rapport ça, que moi estimé qui m'était capable de partager avec Zami avant même d'entendre directeur là. Et ça, monsieur dit. Monsieur dit que Désir Venès, et bon, regardez pas bien. Sorti mois de mai, c'est bien. Sorti mois de mai, et vous arrivez mois d'août 2024. C'est bien, Zami. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure, mais vous avez ça clair dans la tête. Sorti mois de mai et pour arriver mois d'août 2024, gè conseiller Smith Augustin qui fait 15 achats, ça veut dire qu'il a acheté 15 bagages, mais on dit ça l'a acheté. Mon qui ça l'a acheté, à bien dire. Mais il dit monsieur fait 15 achats. Et 15 achats ça li évalué à 872 000 Good, 872 220 good 40 centimes, j'aime dire comme ça. 872 220 40 centimes. C'est-à-dire 872 000. Gon certain de Léandre. Peut-être je viens comme ça. Ah, ça pose une affaire. Ça me connaît pas. Ça me dit la messie. Ah bon, on est comme ça, vrai. Sorti c'est casse, après dans le rapport ULCC. Je vais faire mon de lui, vous êtes côté de côté jeune. Eh bien, moi, je vais aller faire l'argent là. Bon, regardez-moi avoir la mesure de l'argent là. Vous comprenez? Vous comprenez l'argent, monsieur? Je dis, Léandre là lui-même, qui ses amis Smith Augustin, je dis, son ami Léandre, quand monsieur s'est construit la Haïti dans ses domaines, vous ne me trompez pas. Monsieur lui-même, on somme de 646 921 60 centimes. Alors 60 good, 60 centimes good. Ça coule dans ta carte, mais ça retire mon épice. Mon épice, mon cher, mais si je n'ai pas habité moi quand même. Mais pendant que j'en ai compris, papa. Gain, juge Emmanuel Vertilaire. Bon, monsieur lui-même enragé net. Hey, parmi ça. C'est un gros chiffre. Parmi ça, son. C'est un calibre, c'est un calibre quand même. Je ne vais pas mal dans ça. Monsieur Gain-Lyon. Parmi ça, c'est Lyon ou bien Lya? Lyon, 1 million 78 000 good, 255,61 centimes. 1 million 78 000 255,61. Et le général Jules, lui-même, il c'est 1 million 27 336 000, 1 million 27 336,82. Next, qui a accumulé une grosse somme d'argent sans ne pas même faire ça n'est remboursement. Et 4 Smith Augustin et Léandre, ils ont bloqué 4 M. Sayo parce qu'ils n'ont pas payé 4 Sayo. Emmanuel Vertilaire lui-même,
j'ai été remboursé 157 000 gouttes, et le Gérald Gilles lui-même, 700 gouttes avant enquête là. Raoul de bloquer 4 pour négo. Ah, les clés, mon cher. Et bon, avancez. Raoul Pierre, lui, tout. Ça même jouer, monsieur. Je suis un gros voleur, tout. Yeah, monsieur, son gros voleur. Fanny Bagala. Et pas. Chape de pied. À la que Bagala, c'est mon sous de trois conseillers, non? Mais Raoul Pascal Pierre, son gros voleur, tout. Oui. Parce que selon rapport, il y a. Il profiter pour eux. Il s'est profité pour eux pendant la bataille, n'a-t-il pas? Quelques Bagala est là. Raoul Pierre, il n'a pas dit aucun intérêt. Ce n'est pas parce qu'il est lui-même tout. Il n'a pas dit intérêt pour qu'il t'a pris la donne. Pour qu'il t'ait choisi rentrer dans la connivence, dans le concordat de décaissement de l'agence pour Negio. Non, Blaise, l'homme est là pour le péter. C'est là, monsieur, il veut comprendre que Negio n'a pas qu'à renouveler le mandat. Monsieur est obligé de faire causer après la rue. Exact. Exact. Et il dit que Raoul Pierre, lui, monsieur était proposé, aurait proposé, monsieur t'a proposé des avantages financiers en lieu et place des sommes demandées. Elle dit, quand il était comme négo demandé, hein, proposé plutôt pour t'avoir négo des avantages financiers. Dit, avantages financiers, l'argent toujours. Ah, n'est plus bagaille. Peut-être il pas répondre avec quantité que vous demandez, sans doute lui ou elle pas ka jwenn ni, mais avancer de l'autre chiffre qu'il cap bayo qui c'est avantage financier toujours. Pardon, non, citoyen. Pendant que monsieur propose nèg yo, ça n'est les désavantages financiers en lieu et place de somme là je n'ai demandé monsieur. Monsieur dit que nèg yo y a bayo 4-4 de crédit. A dit, chaque nèg ta bon 4 de crédit. Pas oublier qu'on Léandre là. Léandre, ça, monsieur, tu m'as dit, priorité le tout. C'est mon gouton. Oh, bon, mon gars, c'était consulat Haïti, c'est demain, mon cher. C'est Emmanuel Vettilaire, Smith Augustin, Louis Gérard Gilles et Léandre, ça. Eh bien, je dis que, y a là, ben, nèg yo 4 de crédit, mais pour trois conseillers, yo, nèg yo a bon carte de crédit qui a évalué limite li c'est 20 000 dollars. Eh ben 20 000 gouttes. Eh ben 20 000 comme si pas de l'haïtien, non, il m'a dit de l'haïtien. T'as dit 100 000 gouttes? Non. 20 000 dollars. C'est pas 100 000 gouttes. C'est pas 100 000 gouttes. Non, pas 100 000 gouttes. T'as dit 20 000 dollars. Léandre lui-même, qui c'est proche de Smith Augustin, monsieur lui-même a bon carte de crédit qui a 12 500 dollars. Monsieur était dans l'intermédiaire ou bien monsieur son président pas connaît? Et dans chambre 408 là, et monsieur était dans chambre ça. OK. 408. Ouais, ça monsieur était là-dedans. Elle dit et monsieur t'a recevoir nèg yo. Oui. OK, ouais. Comme monsieur c'est coutier, faut coutier a touché tout. Pas tes monsieur t'a dit et gon zami, c'est un ami à moi. Mais c'était tout ça, oui. OK. La paye de coutier. Ah. Coutier a qui qu'on parle de 12 500 dollars. OK. Bon pays. Y a bay monsieur. Et l'autre conseiller 20 000 dollars. Sa côté achat nèg yo t'a fait. Ou t'a dit le Gérald Gilles, monsieur seulement nan comme il t'a get acheté pour débé ça, seulement 700 gouttes il t'a get bay avant qu'elle a te mené. Seulement 700 gouttes, 700 gouttes. Oh pardon, 55 700 gouttes pardon. C'est 55 700 gouttes voilà. OK? Le Gérald Gilles t'a get bay 55 700 gouttes avant qu'elle là. Vous corrigez ça parce que c'est pas 700 gouttes, c'est 55. Combien t'a loué? Ah oui, combien t'a dépensé à acheter au crédit? Comme il y a remboursé lui. Il y a remboursé lui. Le désir, maintenant qui ça paye à tomber là, maintenant qui ça que nous en a fait, pile ben camouquin, qui ben vagabond, ou qui ben pas sérieux, que nous en a fait, et m'a dit, papa ici encore, papa ici, rend destin nous. Destin paye ça dans nous lié, parce que nous en a fait avec eux qui ben volo. Volo dans BNC, volo dans conseil, volo dans gouvernement. Voilà dans tout qu'on a l'état. Mais fondez pas la clé des yeux. Voilà. Ah, mais je dis avec haïtien, hein? M'a dit nous ça clairement, prends responsabilité nous. Prends destin nous en main. Et moi quoi que je dis à désir, c'est important pour que moun yo capable attendre. Parce que on fait moun yo te bagarre avant, on devait faire si approche avant. Mais avant, comme si pour moi, capable de ça gagne. Et puis après ça, comme c'est français, il parle ça parler français. Mais il s'est fait pour moi, il s'est fait français. Moi, même, je me suis dit que c'est le ah oui, c'est français, il parle. On va rapport, on va faire un rapport, on rapport en créole. Mais pas en créole pour nous comprendre. Parlez pile gros français, pile bagaille. Alors que. Rapport, c'est pour majorité. La majorité a tabou compte. Exactement. Il n'y a pas de volo. Entendez, Hans. Jacques Ludic Joseph,
qui est directeur général ULCC, Unité Lutte contre Corruption, qui m'a dit, Marie, alors, les potes 5 minutes, 3 conseillers, ça y est, Léon Zali, même qui est consul haïtien, et puis, mettez avec Raoul Pascal Pierre, lui qui est à Mahon, mais on m'a dit, là, Interpol d'elle. Entendez. Sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne, où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité dans la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ces rendez-vous. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'ULCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qui a passé aujourd'hui, c'est un événement historique, c'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait et restait un état de droit, qui donc personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas pire ni en les têtes la loi. ULCC a continué sans arrêter, avec même énergie, traquer tout corrompu à tout corrupteur. L'ULCC a fait des recommandations administratives, en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertilier et Louis Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5,
et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Loni Cléandre pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits, ce, conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. Désir, vous êtes bagala. Bon, Blaise, nous-mêmes, nous avons déjà une position. Parce que, ouais, même que c'est à une rumeur, même que c'est à une accusation, au nom de la morale, monsieur conseiller, vous êtes doué démissionner de la situation. Laisse ça, vous avez sauté, t'es trop devant la situation. Mais malheureusement, c'est des mondes qui t'es dormi rêvé, vous êtes ouais, vous êtes président, vous avez décidé de continuer.